Nous sommes le 2 mai 2015, il est 21h25. Et nous sommes dans une zone industrielle. Et là, nous avons une partie de la zone qui est fermée par des gros blocs de pierre calcaire. Voilà. Donc ici, c'est fermé depuis plus d'un an. Ça n'a jamais été utilisé. Donc c'est une zone qui n'a jamais été entre guillemets entretenue. Et nous allons voir ce que donne une zone sur laquelle rien n'est fait. Un point de vue entre guillemets entretien. Alors petite parenthèse ici là, ça fait plus d'un an que les lumières là, elles sont éclairées sur cette rue là, sur plus de 100 mètres, alors que la rue est condamnée. Donc dès le soir là, dès qu'il commence à faire un petit peu sombre, jusqu'au matin quand il commence à faire jour, il y a un éclairage ici pour rien bien sûr. Alors nous voyons que sur le bord, donc c'est très fleuri. Voilà. Voyons ces fleurs là. Déjeuner, voilà. Donc déjeuner. Donc on voit que ça n'a pas été broyé depuis des années ici, puisque les genêts ils font un mètre au moins. Voilà. Nous voyons aussi qu'il y a beaucoup de lignisses, fleurs de coucou, voilà. Alors dans la zone industrielle, en fait, sur le bord des routes, ça pourrait très bien être comme ça, ça ne gêne pas. D'autant plus que souvent, il y a dans les zones industrielles, il y a une petite piste comme ça pour les piétons et les cyclistes. Voilà, donc il pourrait très bien y avoir des endroits comme ça, très riches en fleurs. Mais ce n'est jamais le cas. Dans les zones industrielles, partout ici dans la région, en Gironde, toutes les plantes sauvages comme ça, comme il y a ici, sont bien broyées. Enfin, malheureusement, sont broyées, voilà. Donc tout ce qui est ici, là, tout ce qu'on peut voir ici, lignisses, fleurs de coucou, etc., disparaissent. Voilà, une vingtaine de mètres plus loin aussi, très fleuri. Des lignisses, fleurs de coucou. Pareil, du loutier corniculé. Ça permet qu'il y ait des papillons du genre colias. Alors, le souci, ça permet au souci de vivre ici, puisque ces chenilles peuvent consommer les feuilles de ce loutier corniculé. Également, le lignis fleur de coucou, ici, là, très nombreux, permet aux papillons de butiner. Voilà. Donc, il y a vraiment tout le long, là. On entend énormément de grenouilles. C'est ici resté sauvage. Dans les zones industrielles qui sont entre guillemets entretenues, ce qui se passe, c'est que les retenues d'eau, avec tous leurs roseaux, sont broyés. Donc ils broient les endroits où il y a des grenouilles. Voilà, et ici il y a des escargots aussi. Alors, je vais mettre la lampe, voilà. On voit ces escargots là avec des rayures. Beaucoup d'escargots ici. Bon, une richesse ici de vie qu'il n'y a pas dans les zones industrielles ailleurs. Voilà encore beaucoup de loutiers corniculés au sol là. Je monte mon pied pour montrer l'échelle. Voilà. Beaucoup de possibilités de vie ici. Voilà, encore ici. Là, nous arrivons au bout là, de ce chemin là. Il y a une impasse. Alors, également là, ça n'a pas été broyé là depuis plus d'un an. Hein. Donc très fleuri, très joli, voilà. On voit que ça gêne pas ça. Hein. Il pourrait tout à fait laisser les industriels qui sont en activité comme ça. Devant les portails. Voilà, on voit que la zone s'arrête ici, là. Probablement un projet ici, là, de bâtiment. Qu'on voit que c'est vraiment très riche ici.
en fleurs qui peuvent accueillir les chenilles de diverses espèces de papillons, qui peuvent nourrir les papillons par le nectar, également les hyménoptères, les coléoptères floricoles. Voilà, aussi donc sur ces herbes, ces grandes herbes là, ça ce sont des salicaires séchées de l'an dernier là. Donc là on voit plein d'escargots là, ces escargots rayés que j'appelle demoiselles, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. C'est qu'il y en a tout à l'heure, j'en ai vu ouais. Des petits gris aussi. Voilà. Voilà un petit gris là ici. Waouh, il est beau celui-là. Je montre pas pour la main. Voilà un joli petit gris là. Ouais, c'est très riche en toutes sortes d'animaux ici. Voilà. Là encore une demoiselle. Ici, là, voilà. Voilà ce qu'il y a dans les zones ici qui sont laissées. Sans broyage intempestif. Voilà. Là, ici, c'est quoi là? Non, je veux rien. Voilà, des petits escargots, des petits gris là aussi. Qui vont grossir. Donc voilà, on s'aperçoit qu'en fait, tous les entretiens qu'il y a dans les zones industrielles desservent complètement la vie et rendre les lieux stériles et laids. Parce que c'est vraiment très laid dans la zone industrielle, sur le bord des trottoirs, là, ce que l'on voit. C'est une pelouse broyée qui, de bonne partie du temps, est recouverte en fait d'herbes hachées séchées. Voilà, donc ici, c'est 100 fois plus joli. Voilà. On voit du jaune, du rose, voilà, c'est magnifique. Voilà, le petit corniculé, je vais montrer une fleur. Voilà. Bon, là, je vais arrêter de filmer parce que ma caméra est vraiment mouillée, là, il pleut. Il pleut, là, il pleut tout le temps, là. Voilà.